Salut YouTube. Alors aujourd'hui, vidéo très rapide, on va faire une petite revue de presse. On va donc parler des actualités qui sont arrivées récemment en Thaïlande. Alors pour commencer, ça va concerner l'extension de visa, enfin l'e-extension, l'extension de visa qui va se faire en grande partie en ligne. Bon d'accord, la news est sortie hier, beaucoup de gens ont déjà sorti un article ou une vidéo à ce sujet-là. Moi personnellement, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je vous fais un petit résumé maintenant. Ça va permettre de faire une grande partie des démarches en ligne pour gagner du temps à l'immigration, parce qu'il va quand même falloir se déplacer à l'immigration. Donc c'est très simple, vous allez directement sur le site officiel de l'e-extension. Je vous mets le lien dans la description avec les sources également. Donc pour le moment, c'est valable que pour l'immigration de Tiangwantana, mais ça devrait s'élargir très rapidement dans les autres villes. Il y a également pour le moment que certains types de visas qui sont disponibles pour l'e-extension, mais pareil, ça devrait s'élargir très rapidement. Une fois arrivé sur le site, vous vous inscrivez, vous remplissez toutes les informations. Ensuite, vous faites la demande, vous remplissez le formulaire. Le prix de l'extension est donc de 1900 bahts. On a par contre des frais à rajouter à ça. Donc, ça commence à 500 bahts pour le délai standard, 1500 bahts pour le service express et 5000 bahts pour le service très urgent. Alors, pour ce dernier, ça se fait en un jour ouvré. Donc, si vous faites la demande aujourd'hui, on est jeudi, vous l'aurez demain si c'est pas un jour férié. Pour juste le service express, il ne précise pas, mais pour le délai standard, c'est de 1 à 7 jours ouvrés auxquels vous allez recevoir l'extension de votre visa. Donc une fois la demande faite, vous avez une confirmation par mail. Une fois que ça a été accepté, vous avez un nouveau mail avec tous les documents qu'il va falloir imprimer et présenter à l'immigration. Donc comme je disais en début de vidéo, vous devez quand même vous présenter à l'immigration. C'est un des désavantages de ce service, qu'il faut quand même se déplacer avec donc tous les documents et votre passeport en plus. Donc il y a un stand spécial e-extension qui a été mis en place. Ça vous permet de gagner du temps. Donc dans ce stand, il y aura seulement des personnes qui font l'extension par Internet. Vous prenez votre ticket, vous attendez votre tour, vous donnez tous les documents et votre passeport et on vous donne le coup de tampon. Ça devrait être très rapide. Alors moi personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis ça en place. Ça permet de gagner du temps. Juste, je trouve ça dommage qu'ils ont mis des frais pour faire ce service. 500 bahts, je trouve ça cher pour le service proposé. Parce qu'au final, bah, vous devez quand même vous déplacer. Ce que vous allez gagner, c'est juste du temps d'attente qui aurait eu lieu si vous faites simplement l'extension. Après, pareil, ça dépend des immigrations. Il y en a où c'est très rapide, d'autres où c'est plus long. Bref, c'est bien de le proposer. Il y aura sûrement des gens très intéressés, peu importe le prix de la prestation. Ça va sûrement intéresser du monde. La deuxième news qui vient juste de passer, d'ailleurs, c'est l'augmentation des taxis. Alors, cette nouvelle n'est pas encore mise en place et que c'est pas accepté à 100%. Il faut encore attendre 2 semaines avant que ça soit accepté à 100%, mais il y a de fortes chances que ça le soit. Ça concernera Bangkok. Il y aura une augmentation d'environ 7% par trajet concernant les taxis. Donc, je vais vous montrer les frais de taxi qui existent depuis 8 ans. Ils restent inchangés depuis 8 ans. Donc, aujourd'hui, quand on monte dans le taxi, ça commence à 35 bahts pour le premier kilomètre. Et ça devrait passer à 40 bahts. De 2 à 10 km, c'est à 5,5 bahts par kilomètre. On devrait passer à 6,5 bahts par kilomètre. De 12 à 20 km, on est à 6,5 bahts par kilomètre. On devrait passer à 7 bahts par kilomètre. Et de 20 à 30 km, le kilomètre est à 7,5 bahts. Et on devrait passer à 8 bahts par kilomètre. Donc comme je vous disais, ça fait 8 ans que les prix restent inchangés. Donc je trouve ça normal que ça augmente. Parce que le coût de la vie en Thaïlande a énormément augmenté. Et encore plus depuis la guerre en Ukraine. Et même avant ça, depuis 10 ans, je vois que le coût de la vie augmente énormément. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui parle de ce sujet-là, sur comment la Thaïlande a changé depuis ces 10 dernières années. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Donc sur ce coup, je comprends totalement l'augmentation des taxis. Il faut bien que les chauffeurs puissent s'en sortir avec l'augmentation du coût de la vie. En 8 ans, comme je vous disais, ça a énormément augmenté. Donc le métier de chauffeur de taxi, c'est un métier qui paye plutôt bien. Mais comme vous avez pu voir, depuis 8 ans, leurs salaires n'ont pas augmenté du tout. Après, même si c'est dommage pour les passagers hein, qui vont payer plus cher, ça va surtout impacter les personnes qui n'ont pas de gros salaires, qui sont dans l'obligation de prendre des taxis. Et dernière petite news, pour finir dans une note positive, c'est la mise en place des décorations de Noël, surtout sur Bangkok. Donc en Thaïlande, de manière générale, on ne fête pas Noël, en tout cas pas comme en France, où l'on va faire un beau sapin de Noël, mettre des cadeaux au pied du sapin, faire un repas familial la veille de Noël et ouvrir les cadeaux le 25 décembre. Non, ici c'est purement une fête commerciale. Il va y avoir beaucoup de décorations de Noël un peu partout en Thaïlande. Certains Thaïs vont faire un sapin de Noël et ça sera plus pour le style que pour autre chose. Alors oui, il existe des Thaïs qui s'offrent des cadeaux de Noël, mais c'est très rare, c'est pas une tradition ici. Il n'y aura donc pas de repas de famille non plus. À part sûrement pour les Thaïs chrétiens, j'imagine. Enfin bref, tout ça pour dire comme chaque année, il y aura plein de décorations de Noël. Vous pouvez en trouver notamment dans les grands centres commerciaux comme EM Cartier, Siam Paragon, Central World, Sam Yan Midtown, Icon Siam.
et plein d'autres. Les Thaïs aiment y aller en fin de journée quand les lumières sont allumées pour prendre des photos. Donc si vous voulez avoir une petite magie de Noël sous la chaleur de Bangkok, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez également acheter un sapin de Noël. Alors il y a plein d'endroits où ils vendent des sapins de Noël. Vous pouvez en acheter notamment à Ikea. Et ils vendent pas seulement des sapins en plastique. Je sais que chaque année, ils vendent de vrais sapins. Quelques temps avant Noël, donc. Alors, ce genre de contenu concernant les news de la Thaïlande, je sais pas si j'en referai. En fait, je sais pas si c'est vraiment pertinent pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais en faire de temps en temps si je vois des news intéressantes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like. Mais surtout, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.